Tu vois, par exemple, pour les langues de l'Afrique subsaharienne, on peut distinguer deux grands ensembles linguistiques, à savoir celui des langues afro-asiatiques, ou afrasiennes, hein, si tu préfères, qui sont plutôt au nord et à l'est, et celui des langues proprement africaines que l'on parle au sud du Sahara. Eh bien, elle... Ah, t'es encore là? Oui. Ok. Il y a Caro qui vient d'arriver avec une robe. Non, improbable. Viens voir. C'est vrai? Viens voir. Ouais. Ah ouais? Ok, j'arrive. Et donc, ces langues, en fait, elles peuvent se diviser en trois groupes. Les langues Khoisan. Il me fait trop rire ce mot. Khoisan. Alors, figure-toi qu'elles offrent la curieuse particularité d'user fréquemment de clics. Bon, alors, qu'est-ce que c'est des clics, tu te demandes? Non, enfin oui, enfin... Eh bien, le clic, en fait, c'est... écoute, c'est comme une sorte de claquement de langue, ou de consonne claquante, hein, si tu préfères, dont l'articulation est quasiment mais impossible à expliquer, qui ressemble à... une palato-alvéolaire et une post-alvéolaire, hein, qui sont... comment je pourrais t'illustrer ça? Mais très sonore. Et alors aussi une alvéole latérale... Alors là, je l'ai pas vu venir, tu m'as accueilli. Alors que pourtant, j'ai vu hein, les signes que tu m'as envoyés. Hein. J'ai vu les regards sur la montre, j'ai vu les regards éplorés aux amis. Mais alors là, poil, je l'ai pas vu. Tu m'as accueilli. Et alors, dis-moi, est-ce que je t'ai parlé du dialecte Kouyou? Il est absolument fascinant.